Yahoo Dimancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve donc avec grand plaisir pour une vidéo ouverture de colis spéciale sur le site Momox. Donc si la suite t'intéresse, continue. Donc oui, je n'ai pas pris mon attel et oui, je sens que je vais très clairement le regretter. Je l'enlève à chaque fois quand je me maquille parce que ça me gêne. Et je sens très clairement que je vais le regretter, mais c'est pas grave. Donc, il y a 3 mangas que j'ai achetés lors d'une première commande et que tu as plus ou moins vu parce que tu en as vu 2 sur 3 pour la vidéo du coup sur mes achats spécial confinement. Mais je ne t'ai pas montré le troisième. Et après, aujourd'hui, j'ai reçu ma deuxième commande qui est là-dedans. Et je crois que j'ai pris 4 ou 5 mangas, un truc comme ça. Donc, je vais te montrer tout ça. Pour ce qui est de la première commande, j'ai déjà réussi à prendre du coup le manga Les Temps Retrouvés. C'est une série en 2 tomes et le tome 1, enfin les mangas sont à 15€ et je l'ai payé je crois 8 ou 9€ et je ne l'avais pas trouvé sur Vinted, donc je l'ai pris sur Momox. Ensuite, ce qui m'a fait passer surtout ma commande, c'était le manga Irrésistible tome 3 parce que j'avais les tomes 1 et 2 depuis bien 2 ans je crois. Et Irrésistible Ivresse en fait est un manga de Tokokawa qui est une mangaka chez Taifu que je surkiffe. Malheureusement on n'a pas tout. Et le troisième achat, et là tu peux te foutre de ma gueule très clairement. Sous la lune de Taisho des éditions Akata qui est un one shot, le one shot shoujo d'été 2019. Et en fait tout simplement je l'avais acheté à l'époque, je l'ai lu, j'ai fait ma vidéo YouTube et je l'ai revendu. Et il y a peu en fait je me suis rendu compte que c'était une grosse erreur, que j'aimais vraiment ce manga et que je le voulais dans mes étagères. Donc comme je l'ai trouvé pour pas trop cher et que je le trouvais plus cher sur Vinted, bah je l'ai pris du coup sur Momox, voilà. Ensuite, donc pour la... J'ai encore me faire mal. Ouais, c'est ça. Pour la deuxième commande, bah on va l'ouvrir ensemble. Je ne l'avais pas ouvert pour le faire avec toi, pour voir tout ça ensemble. Je viens de penser que je ne t'ai pas montré le rendu des pages, donc enfin le... La qualité de dessin, donc je vais te montrer. Après, Irrésistible Ivresse, je vais faire attention de montrer que les premières pages. Parce que forcément, c'est un tome 3, donc spoil quoi. Là. Donc ça, tu as déjà ma vidéo, donc je te mettrai en i en barre d'infos pour avoir mon avis dessus. Alors, Irrésistible Ivresse, évite de lire les bulles, comme ça tu te fais pas spoil. Mais juste que tu vois la qualité de dessin qui est très très ancienne, hein, ça j'en... J'en ai conscience, mais je l'adore cet auteur. Voilà, je vais te montrer une page. Et Les Temps Retrouvés, du coup... Oh, c'est en couleur, je savais pas. Ah, ça explique le prix, du coup. Ça explique. J'aime bien. Ça fait bizarre en couleur, je suis vraiment pas habituée. Et c'est quelque chose qui a tendance à me perturber. Mais comme là, les bulles sont toutes en blanc, contrairement à Manga Real Life... Je vais montrer une autre page. Ça devrait donc plus facilement passer que pour le manga Real Life où tu avais les bulles de toutes les couleurs. Il n'y avait pas de logique à la couleur des bulles, mais c'était pas grave. Le deuxième colis. On va ouvrir ça ensemble. Hop. On a... Oh, il y en a 3 carrément, ouais. Donc, le tome 3 de @Ellie hashtag je n'ai pas de petite amie. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que je devais avoir 1, 2 et 4 et pas le tome 3. Oh, fais le focus. Non, sur ça, voilà. Bon, apparemment, ça doit être bon. Je vais te montrer vite fait les pages, mais fais gaffe du coup au texte et tout ça. Je vais te mettre une page qui paraît assez standard. Voilà. Ensuite, j'ai pris les tomes 2 et 3 de Fausse Petite Amie, tout simplement parce que j'ai le tome 1. Je n'ai pas lu le tome 1, mais les tomes 2 et 3 étaient vraiment pour pas cher. Un peu moins que la moitié prix, je crois, à moitié prix quasiment. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal aussi d'avoir les deux, enfin les 3 premiers tomes. Comme ça, je peux éventuellement faire un bilan lecture et après faire un avis sur l'intégralité, sachant que la série est en 11 tomes. Donc voilà les volumes. Ils sont vraiment comme neufs, à part là, mais il a juste pris un mauvais pli, tu sais, au niveau du. La jaquette, mais en fait, si tu le remets à plat sur quelque chose, ça passe. Donc là, la qualité dessin que je ne connais pas. Ah si, j'avais déjà montré pour le tome 1. Ouais, je sais pas, celle-là.
Donc ça, dès qu'on sera déconfiné, je ne sais quand, j'essaierai de le présenter assez rapidement, vu que j'ai les trois premiers tomes. Et ensuite, je crois que j'en ai encore trois. C'est ça, j'en ai encore trois. Alors, on a le tome 3 et 5. Pareil, parce que j'avais fait la même connerie que pour, du coup, @Célie. Je crois qu'@Célie, je dois juste avoir le tome 1 et 2. Oui, c'est ça. @Célie, j'ai juste le tome 1 et 2. Je me suis dit, ok, je prends 3. Et là, j'avais fait la bêtise. Donc, j'avais 1, 2, 4. Donc là, j'ai pris 3 et 5. Comme ça, j'avance un petit peu. Voilà, les deux volumes. Pareil, ils sont comme neufs. La série est terminée en 12 tomes, pardon. Et il est au prix de base de 6,95€. Parce que j'ai étiquette d'achat. Voilà. je vais te montrer sur le... Donc, Real Girl, pardon. Le manga existe en anime. Et j'avais fait une critique tome 1 ou une critique tome 1 et 2, je sais plus. Je crois que tome 1. Voilà, le rendu. Donc ça, plus le tome 2, parce qu'apparemment, je crois que j'avais le tome 1, désolé, j'ai des problèmes de dos. Je vais commencer le kiné, enfin. Pour le manga Bloom Into You, donc j'ai acheté le tome 2. Voilà. Donc, oui, je crois que j'avais lu le tome 1 en entier. Et donc voilà, pour Bloom Into You, j'avais trop hâte. Et puis, il va pas tarder, je crois, à se terminer un truc comme ça. Sinon, je ne serais pas intéressée, forcément. Voilà. Un petit peu. Donc c'est tout en ce qui concerne mes achats faits sur le site Momox. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en like, en commentant, même partageant cette vidéo. N'hésite pas à me dire quels sont toi tes derniers achats. Est-ce que tu as pu en faire pendant le confinement en click and collect ou est-ce que tu attends tout simplement le déconfinement? Je rappelle au cas où, mes achats ont été faits avant le confinement, les deux dernières semaines du mois d'octobre. Et sur ce, je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive. Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, précédente vidéo. Bye!